Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur God of War Ragnarok sur PlayStation 5. On est de retour chez le frère de Freya. Bonjour. C'est désert. Ah. Où sont-ils tous passés? Ils sont pas là. Sois sur tes gardes. Je n'aime pas ça, mon frère. Parce que c'est quand même un camp normalement, donc. Non, on peut pas, d'accord. Je voulais essayer de peser le truc à distance, mais pas pour l'instant. C'est quand même un camp, donc il n'y a personne, c'est quand même assez étrange. Que s'est-il passé? Assez étrange comme le mouvement que vient de faire Kratos. What? Kratos? Atreus? En voilà des retrouvailles bienvenues. Certes inattendues, mais bienvenues. Tu nous connais? Impossible. Est-ce bien qui je crois? Oh, espèce de vieux pourceau. C'est presque bon de te revoir. Et pour une fois sous une forme humaine. Enfin, presque. C'est donc ainsi qu'on t'a sorti la tête du fondement. Voilà qui calmera peut-être tes sales manières de menteur borgne lubrique et ivrogne. Il a toujours été le plus gros porc de nous deux. Je ne te connais pas. Tu ne reconnais donc pas ton œuvre? Ils disent Vini! Tu te souviens du jour où nous avons rencontré Freya? Après que j'ai... Oh. Je suis vraiment, sincèrement désolé. Le sanglier de Freya. Son associé. Et son ami. Conseiller d'Evan. En effet, lors de mon exil à Midgard, j'ai été piégé sous ma forme de sanglier. Et tu m'as tiré dessus. Sur mon ordre. Non. Ma flèche, ma responsabilité. C'est oublié. Vanheim a grand besoin de notre aide. Même de... celle de Mimir. Suivez-moi. Mais évite de pointer ton arc n'importe où. Ma peau n'est pas aussi épaisse sous cette forme. On peut y aller dès que vous êtes prêts. Mais du coup, ça nous dit pas où ils sont partis, les autres. J'ai une faveur à vous demander. Je m'expliquerai en chemin. Ok. Mais alors, attends, il y avait un truc là-bas. Ah, je peux pas tirer, parce que je suis dans un camp. Ah, je crois que c'est parce que c'était en mode cinématique, mais non. Je crois que c'est dans les camps, tu peux pas. Mais attends, mais ça se casse bien avec la lance, ce qu'il y a là-bas, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore? Nous avons oublié quelque chose. Nous reviendrons, promis. Non, on se casse. Je peux même pas d'ici, mais what? Non, je peux pas. Allô, le jeu? Ok, bah je peux pas. Bon, bah. Tempi. Peut-être plus tard, je sais pas. Monsieur, allons-y. Le sanglier dictate, j'avoue que ça me parle pas. Hein. Où est Freya? Elle est venue ici pour aider son frère. Les Eneria ont capturé Freyr et Bigvir. Elle a pris la tête du groupe de sauvetage. Comment est-ce arrivé? Une embuscade. Ils sont plus nombreux que lors de votre dernière visite. Pire encore, les loups célestes sont introuvables depuis plusieurs jours. Enfin, je crois. Sans lune pour éclairer le ciel, on perd la notion du temps. Pas de lune. Comme sur leur fresque. Leur fresque? C'est une longue histoire. Tu veux qu'on parte à leur recherche? Je vous en serai reconnaissant. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et si quelqu'un peut aider Skoll et Ati... C'est bien un autre géant. Très bien. D'après Freya, tu pourrais nous faire passer. Je vois qu'il disait. Vous trouverez leur tanière dans cette direction. Bonne chance. Ne tirez pas sur les sangliers. Vraiment pardonné de l'avoir blessé. Crois-moi, petit. Si le vieux pourceau avait une dent contre toi, tu le saurais. Que s'est-il passé entre vous? Comme toujours. Malentendu, conflit de loyauté, promesses brisées. Rien qui vaille la peine de t'en inquiéter. Je suis pas inquiet. Je suis curieux. On peut être proche sans tout se dire. C'est quoi cette merde? Pas vrai? J'en sais. D'accord. Et oui, non, mais en plus, Dictate, comme tu sais, le jeu, ça fait plusieurs mois que je l'ai attaqué. J'y joue de manière très. Très étendue, on va dire. Pas très régulière, donc.
Je sais pas trop, le sanglier de Freya. Si c'est dans le 2, je m'en rappelle pas. Si c'est dans le 1, bah, je m'en rappelle pas non plus. Donc, oh non. Y'a pas Freya. Mais même Freya, elle ne craignait pas, mais on faisait quand même attaquer par les plantes là. Fuck. Ça, on peut pas le péter cette merde là. J'ai du feu là. C'est quoi cette histoire encore? Des plantes qui craignent pas le feu, on aura tout vu. Ah, puis ça laisse leur merde par terre, là, bien sûr. T'as une qu'à faire. Allez hop, vamos. Travail accompli, paysagiste. J'accomplis des trucs, bah ok. Oh non. Mais c'est rouge. Ah fuck mon chien. Donc, voilà, je les ignore. Ça a pas l'air de me faire trop de dégâts. Ça les dégage ou quoi? Ça les a pas dégagés. Aïe. T'as la différence de dégâts par rapport au... Comment on appelle les guerriers là dans les arènes spéciales? Qui me trichotent. Ça n'est pas du tout le même level. Hein. Esquive, j'ai 3 mètres qui tournent autour. Je vais bien faire des efforts. Mais... Ah bah non, elles sont 4 les merdes. Tue-moi cette merde. Ah, faut pas me les tuer. Sérieusement. Mais il tire avec quoi dessus? Je sais plus. Et mon frère, tu vas avoir besoin de flèches. Mais oui, ça a marché. Berserker, je sais plus là. Si différent des autres royaumes. Enfin, les gros trucs chiants. Hein. Que je fais pas en rediff du coup. On dirait que l'air y est lourd. Igros. Après God of War, ouais, si t'aimes bien le gameplay de base, tu peux t'amuser de ouf, hein, dictateur. Surtout que tu vois, t'as des boss un peu compliqués. Ça me plaît bien. T'es absolument pas obligé de les faire, tu vois, j'en ai fait 4-5. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, d'accord. Tu pouvais pas faire ça avant. J'essaie de débloquer aussi l'attaque sprintée pour améliorer mes compétences. 64 sur 75. Ok. Très bien. Parce que je crois qu'il y en a 12 et j'en ai fait 5. Il y en a un que j'ai abandonné, celui où il y a les deux sorcières plus le samouraï. J'ai fait plusieurs tentatives où... Je focusais les sorcières en premier, ça passait pas. Après, j'ai focus la samouraï. C'est passé. Mais sauf que les deux sorcières sont passées en mode corps à corps. C'était insupportable. Je suis pas bien. J'adore ce jeu. Ouvre la Noken. C'est elle qui les rend si forts. Elle est où? Ouh. C'est ça là, les Noken? La Noken juteuse? Merde, je vais pas faire ça. Ma suite, Golette, beau temps. La Noken, c'est bien ça. Ça va exploser! T'as des loups qui pètent. C'est cassé, attends. Si tu veux sprinter, voilà. Mais putain, je sais faire mon sprint, trou de balle! Derrière toi, prends garde! En fait, tu peux pas le faire tout le temps, c'est trop chiant. Faut vraiment que tu t'écartes du fight pour te mettre à courir. Et là, comme il est en bousé, il est mal. Aoka.
Attention. Encore derrière moi, mais arrêtez. C'est ça. Tais-toi. Ouais, ferme-la. C'est le caca. Ah. Je sais que t'es là. Noken. La Noken juteuse. En mode juteuse, tu prends. Je pense qu'elle prend une apparence humaine. Prudence. Ils sont passés où? Je sais pas. Mangés par une Noken, peut-être. J'en doute. Non, c'est ça. Hop. Y'a rien là? C'est quoi ça? Tu sais, petit, avec cette petite escapade en Vanaheim, tu as désormais visité chacun des 9 royaumes. Je suppose, oui. Peu de mortels peuvent se vanter d'un tel exploit. Pas tellement plus de dieux, d'ailleurs. Même ton père n'a pas encore foulé le sol d'Asgard. Et je ne suis pas pressé. Ils disent Vini dit que Freyr et Bilbir ont été capables. Oh putain. Je croyais que c'était secondaire, my fucking god. Parce que secondaire, c'est là où il y avait le mur que j'ai pété. Exact. Je comprends pas comment ils ont pu foirer la boussole en fait. Regarde la boussole, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais même quand t'es en face en fait, ça fait ça. Mais lui et Beïla désiraient voir s'unir leur peuple. Et je suppose que ça n'a pas plu. Alors, Beïla est une elfe noire? Oui. Oh. Bon, j'ai encore plus de questions. Ça a rien fait en plus. C'est un peu escalader. J'espère qu'il va bien. Ah oui, on l'a détérioré pour pouvoir escalader, je pense. Ok, ok. Il y avait peut-être un trésor. Mais je comprends pas comment on peut foirer une boussole en fait. Je suis désolé, mais. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah oui, il y a un coffre, d'accord. Bon bah, on y va. Hein. On n'a jamais trop de réserves, hein. J'ai vu une forge dans le camp de Freyr. Est-ce que Brock les aide depuis tout ce temps? Ah, tu ne connais pas encore Lunda. Ah oui, c'est vrai qu'il était pas là quand on l'a vu. C'est la forgeronne de Freyr. Elle équipe et arme ses gens. Attends, c'est le puissant ça. Ouais. Ça a l'air pas mal. Mais ça étourdit. Non, j'aime bien focus l'étourdissement quand même. Ah, une autre forgeronne légendaire? J'ai hâte d'entendre ces histoires. Sois prudent, Atreus. Hein? Pourquoi? Elle est très... peut pas descendre. Familière. Oh, voyons. Le petit est bien trop jeune à son goût. Quoi? Oui, quoi? Attends, mais il est plus malin que moi, regarde où il... Non, oh, il triche. Il est pas malin, il triche, il s'est TP. Ah, d'accord. Et Atreus, avec une vieille naine forgeronne. Mais en fait. Ou pas. Quelle horreur. Mais je sais pas, Kibix, tu penses que si je retourne à la maison et que je lui parle, il peut m'en parler? De la Noken humide? Je sais pas. En tout cas, celles qu'on a vues, enfin, les deux trois qu'on a vues, elles sont pas très sexy. Donc, comme tu dis, elles doivent changer de forme. J'imagine. Oh, j'avais pas vu que ça faisait un. Alors, c'est vivant, c'est une structure, une sculpture. Bonjour. Non, c'est juste du bois. Ok, ok. Non, j'aime bien me tromper de bouton. Les barricades d'Aneria. Ah, ce n'est pas bon signe. Depuis notre dernière visite, ils se sont enfoncés dans la jungle. Ok. Hop. Aoka. Non, on va pas encore. Oh putain. Aoka. Quoi, il y en a un autre? Bah oui, mais
faut essayer des trucs, c'était de lancer ça. Arrêtez. Qu'est-ce que vous foutez, bande de merde? Non, c'est sympa. Ouais. Mais ouais, mais j'ai pas le temps de faire le truc. J'ai pépé. Mais putain, je te déteste! Il y a quelqu'un qui les booste. Mais... Mais putain... Calme. Fucking god. Alors j'essaie de faire des trucs pour améliorer mes aptitudes et ben je fais de la merde. Bravo. Enfin, en même temps c'est des compétences que je fais jamais, donc c'est pour ça que j'ai pas l'habitude aussi. Mon dieu. Lingot Asgardien, je crois qu'il m'en faut. Ça tombe très bien. Alors. Est-ce qu'il y a un truc là? Un coffre. Un fucking coffre. Ça marche avec ça ou faut forcément la hache? Forcément la hache. Un P et une espèce de C à l'envers, je sais pas trop comment appeler ça. Et Hati attraperait le soleil et la lune. J'ai dit que c'était prédit, une prophétie. Et après avoir vu les Nornes, nous ne versons plus là-dedans. Mais Odin y croit à lui. C'est sans doute pour ça que les Enariars ont volé la lune. Il essaie encore d'éviter le Ragnarok. Ou bien il s'y prépare et il livre une guerre factice dans ce royaume pour distraire ses ennemis. Oui, c'est possible aussi. Oh putain. Non, sérieusement? Oh my fucking god. Oka. Ah d'accord. Donc là il nous faut... On a dit une espèce de... Ouais, ça ressemble à rien. Non mais bon. Donc il nous manque l'espèce de truc chelou à l'envers. Bien sûr, je vais pas le trouver. C'était pas là. Hein. Ah si. Je crois que c'est bon. Yes. Allez hop, je crois que c'est mon deuxième quart. Ouais. Donc c'est pas pour tout de suite le PV. Mais c'est quoi ces rangs là? D'accord. Il y a des rangs pour tous les objectifs en fait. Je vois. Je peux les sentir là-haut. C'est sans doute leur tanière. Hâte de rencontrer Skoll et Hati, petit. Eh bien, après avoir écouté tes histoires. Ça va faire bizarre de les voir en vrai. De la légende à la réalité.
Au moins, ça promet d'être passionnant. Bonjour. Je crois qu'ils dorment. Alors, heureux ? Les loups célestes de la légende. Je te l'avais promis, n'est-ce pas ? Passionnant. Tu te souviens de leur fresque ? Ils n'ont rejoint le ciel qu'après le retour de la lune. Puis ils ont chassé une flèche à travers les cieux. Bon, très bien. Nous ferions mieux d'aller chercher la lune pour la remettre à sa place, non ? Tout va bien, rien d'étrange là-dedans. Les petits loups. Après la fresque des loups, les Enériards ont joué un rôle. En enfermant la lune dans une boîte, si mes souvenirs sont bons. Mais ça ne dit pas où ils ont emporté la boîte. Ah, ça, quand on se sert d'une prophétie comme d'une carte, il manque généralement quelques détails. Le village d'à côté abrite un camp de guerriers. Une véritable forteresse pour cacher leur butin. Commençons par là. À part ils disent Vini et les elfes. Qui est dans l'armée de Freyr ? Pas tout à fait une armée. Bien que Birgir ait été un soldat arpentant la voie des vagabonds. Il manie sans doute toujours sa gigantesque épée brisée. Un vagabond qui ne veut pas nous tuer ? Ça change. On peut pas tuer les créatures en haut, c'est des animaux, c'est pas des méchants. Guillaume qui est motivé, hein. What the fuck. Bah je pense comme il est un peu collé à lui, oui. Il entend tout la Mimir. Ah non, on peut même pas tirer. Ah si, ça passe à travers. Là. Du coup, ça faut le geler. Enériar devant. Ne emun geresat per enner. Exactement. Alpha d'Ellerir Gedmit. Wow. Ouais, j'ai débloqué des trucs lors du sprint. Ah, ça c'est un truc que j'utilise beaucoup, donc go. Ah, mais on peut pas mettre de stun là-dessus. Brûlure, immolation. Pff, dégâts alors, hein, par défaut. Un peu plus de dégâts là-dessus. Ça paraît, je le fais jamais en vrai, ça. Mais j'ai mis étourdissement là-dessus, d'accord. Et là, non, ça m'intéresse pas. Et la lance, je m'en sers pas. Je m'en sers pas trop. Vas-y, on va essayer de refight un peu avec la lance. Je trouve que c'est un peu moins classe quand même dans les fights habituels. C'est quoi cette merde ? Oui, c'est épais. Et attends, faut que je fasse quoi si je veux améliorer la lance là ? Le sprint R1. Manier R1 pour empaler un ennemi. Ok. Ça, je le fais un petit peu, le maintenir R1. Donc, il y avait une merde LCTP. Ok. De circonstances. C'est-à-dire. Verdoyance. Voilà. Il doit
doivent savoir qu'on arrive. C'est fou qu'ils soient abandonnés. Ils se cachent. Contrairement à notre chère Freya, tous les Van ne sont pas des guerriers endurcis. Ceux qui ont connu la guerre trouvent plus facile de se cacher dans la jungle avec la nature pour bouclier. C'est quoi ça? Ça explose ça? J'en sais rien. Pas de piège? Pas de fleurs qui m'agressent? Par contre, je pensais vraiment qu'on arrivait à la fin. Enfin, à la fin du jeu, c'est bien un grand mot, mais après la séquence avec le chien. Je pensais pas que ça repartait encore sur des trucs comme ça. Vu qu'on a vu tous les royaumes, je crois, en plus. Ce mur, dès que je l'abats, nous frappons. D'accord. Bah, un coup alors. C'est parti. Personne. Où sont-ils tous? Attends, what? Attends, mais je suis déjà passé là, non? C'est forcément une embuscade. Oui. Tu l'avais dit. Faut te fouiller maintenant. Si Alpha. Ouais, on en avait un devant moi, mais tant pis. Oh oh oh, le Bifrost là. Ça faut être... Et comment je siphonne un élément, je sais plus. Du moins siphonne un élément. À droite. Merde. Eneria, flanc gauche. Ça dans le... Wow, c'est calme. On peut arrêter? Vous êtes combien là? Ouch. Qu'est-ce qu'il fait? Il rebondit. Espérons que cela faiblisse les troupes d'Odin. Momentanément. Parlons de la fin, ah ouais? Ça m'étonnerait qu'Asgard manque un jour de soldats. Mais je pensais que c'est... Ouais, après le chien, qu'en gros on allait directement vers Odin. Mais c'est vrai que Freya allait repartir. Je pensais pas qu'on allait revenir dans la forêt du frère, enfin qu'on allait rejouer en fait. Dans cette zone. Il y a un truc là-bas. Comment je vais là-bas? C'est quoi ça? Pourquoi c'est bleu? Mais ici. Ah mince, c'est là où je dois aller en plus, je crois. Prêt à remettre la lune à sa place? Oui. C'est un peu bizarre à dire. Hey, bah, bien, vite, bah, elle va nous échapper. Comme de par Allez hasard. Une double embuscade? Comme ça, j'avais pas vu. Impressionnant. Go. Colo. Voilà, elle a encore filé. Vite.
Il faut qu'on traverse. Je suis pas bien placé là. Atteigne, atteigne frérot. Bon, c'est censé être une course-poursuite, mais je vais me balader. Non, y'a rien, ok. J'ai toujours pas amélioré un truc avec ma lance. Ah bah, apparemment pas du tout. 31 sur 50. Oh. 39 sur 50. Oh. Tu fais bien. Elle est où? Cette crotte. Là. Elle est gentille, elle nous attend quand même. Elle remonte la cascade. Allez, je vais tout ça. Sur ta gauche. Mais... Attention frère, tu es couvert de Bifrost. Merci. Ça m'aide beaucoup, tu me dis ça. Elle est toujours là-haut. Une autre embuscade. Sérieusement? Jamais 203. Oui, tu peux le dire. En fait, ce qu'on est en train de faire, tout ça là, c'est presque exactement ce qu'on a vu sur la fresque de Scoliati. Les loups sont de retour à Vanaheim. Attends, je sais pas. Et nous sauvons la lune. Oui. Il est censé aller par là-bas. Je me souviens de la prophétie. Alors, ça ne te rend pas inquiet si tout ce qu'on a fait maintenant est arrivé dans la fresque des Jotnar? Souviens-toi de notre accord. Nous ne laisserons pas la prophétie dicter nos actes. Oui. Nos alliés ont besoin d'aide. Je peux pas descendre, on me retourne. Concentrons-nous là-dessus. Parce qu'il y a un truc là-bas. Mon frère, on s'est trompé de chemin. Notre voleuse s'est dirigée vers le ciel. Bon, pas d'exploration. Tac. Ouais, parce que là, on est jeudi. Et en gros, j'aimerais finir le jeu mardi au plus tard. Vu que mercredi, il y a la match Genshin. Et la semaine d'après, il y a Forspoken qui sort. Et après, il y a Dead Space. Donc... Faudrait pas que je garde le jeu encore. Oh, qu'est-ce que c'est? Une fouive! C'est une sale bête! Faites attention! Elle essaie de s'attraper. On n'est pas dans un Witcher! Derrière toi! Attention! Wow, wow, wow! S'il lui arrive à cette merde là, faut la geler. Pas bien marché. Wow, oh, 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 Pépito là! Qui est ta race? Go! Aïe! Ah, rétrape-le, frère! Mais je te déteste en fait. Bonne. Ça fait bizarre de pas me faire tricher. Attends, je regarde vite fait s'il n'y a pas autre chose. Non, la suite sûrement. RAS. C'est froid. Est-ce que ça vient d'Elheim? Emdahl a dû s'en emparer quand j'ai libéré Garm. J'étais là, mais je ne savais pas. Et tu te bats aujourd'hui pour réparer les dégâts. Tu n'as pas à te sentir coupable. Oui, mais... Non, tu as raison. Non, l'annexe, je pense que je vais... Voilà, j'en ai fait un petit peu sur de live. Père, on va se refocus. Comment peux-tu être si sûr que nous avons le choix de faire ce que nous faisons? Nous ne pouvons pas nous permettre de douter. Pour parler de doute, tout ce que nous avons fait jusqu'ici, les géants l'avaient prédit. Nous faisons nos propres choix. Rien ne nous y oblige. Alors, un peu loin là pour que je te mette mon double bouclier. Faut qu'il y ait une cour dessus en fait. À gauche, le Bifrost. Le Bifrost. Par contre, j'ai trouvé plein de compétences, mais j'ai pas trouvé de compétences lourdes pour la lance, c'est trop chiant. Ah,
Ah là, j'ai chopé le Bifrost. Ah oui, c'est R2 maintenant pour voler un élément. Ok. Ok, ok. J'ai volé son Bifrost. Et là, avec tout ce que je fais depuis tout à l'heure avec la lance, je débloque rien. 49 sur 50, c'est une blague. Et maintenir le R2, attends, c'est quoi? C'est... Ça va être où? Siphonné, pareil, je suis à 1, je suis pépé. Ah bah, après, en vrai, la lance, ouais, j'apprécie quand même moins globalement le fight. Hein. Putain, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'applique du Bifrost. Ok. Et si tout ce que nous faisons ne revenait qu'à nous précipiter vers le Ragnarok, n'y a-t-il aucun moyen d'éviter le destin? Ton destin? Et si on ne peut pas t'empêcher de... Si c'était le cas, abandonnerais-tu les loups et ce royaume? Souviens-toi de notre accord. Le petit loup. Pourtant, le garçon n'a pas complètement tort. Tant qu'Atreus vit, qu'il en soit ainsi. Faut y aller. Exactement comme dans leur fresque. Si je le fais... Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. C'est bien, un petit. Il nous offre un présent. Moyen de les appeler quand on a besoin d'eux. Tu te souviens de cet hôtel? On dirait les rouleaux pour ramasser les poils de chien. Je crois que c'est là qu'il faut s'en servir. Freya saura peut-être. Donc en somme, on nous a donné la clé des jours et des nuits. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on devrait rejoindre Ildis Vini et lui raconter tout ça. Oui. Rentrons au camp. Alors... Attention! Bonjour. Comment ça, attention? Waouh, 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 wow, wow. Dis donc, je regardais pas de ce côté. C'est le caca, va. Trop loin, non? Ah, ça touche pas, fuck. Bon, moi je suis un peu déçu, elle me bouffe ça déjà. Eh, il m'a poussé. Merci. Oui, toujours très. Très igloos. Igloos. Ça me plaît moins maintenant.
Arrêtez de me cracher dessus, s'il vous plaît. Vous serez fort aimable. Merci bien. Surtout qu'on est déjà passé en plus. Ouais, d'accord. Faire des efforts aussi dans ma vie. Pas de chocolat. Ce n'était pas la même que tout à l'heure, n'est-ce pas? Non. Ils reviennent vite, mais pas si vite. Attends, c'est... Si c'est ça. Ouais, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment utile de monter ça? Parce que je m'en sers pas en fight. Chipolulu. Je sais pas ce qu'on peut améliorer ou pas en fait. Il n'y a pas de symbole pour les distinguer. Ça, je m'en sers jamais non plus. Ça, je m'en suis jamais servi. Ok. Un puissant coup final après un enchaînement d'attaques rapides. What? Attends. Asgard, qu'as-tu appris d'autre sur l'armée d'Odin? Eh bien, tous les Enériards que l'on a combattus. Ok, on sait jamais si ça. Ils sont déjà morts au combat une fois. Et quand on les tue ici, ils se réveillent au Valhalla. Ils ne meurent jamais vraiment. Si la guerre est inévitable, il serait bon d'avoir notre propre armée de soldats immortels. Super. L'armée d'Elheim, tu veux dire? Celle de la prophétie? Je pourrais switcher de jour et nuit à volonté? Ou j'ai pas compris? Bon, peut-être pas quand même. Les pauvres loups, on va pas les déranger. Vas-y, faut que j'essaie mon nouveau combo. Est-ce qu'il y a encore des... Non. Le problème, c'est que au niveau du combo, je me perds. Oh putain, ils sont deux. Bah oui, bah bien sûr. Avec une crache dessus. Mais bordel, arrêtez. Il y en a qui m'attaquent pendant ce temps-là. C'est mon art. J'ai pas le temps de faire mon combo en fait, c'est insupportable. J'ai pas le temps de faire le combo. Oh bordel de chiasse. Je suis en train de prendre des coups parce que j'essaie de faire un combo de merde. Mes combos, s'il vous plaît. Il m'interrompt en permanence, là. C'est pas très gentil, ça. Merci. Il est où l'autre? Il est dans la flotte? Je peux pas faire le combo. Mais putain de saloperie, va! Bonne. Merci. Les gloss doivent leur plaire aussi. Flamme du chaos. Putain, 14 000. En fait, c'est que je sais plus quoi acheter en... dans mes trucs là. Ça, je pense que je vais le up. Ça là. C'est pas trop dégueu. Vas-y, up. Le R1, je suis un peu moins convaincu. Le L1, pardon. Je sais plus le L1. R1. On va voir l'usage avant de l'augmenter. Ça, finalement, l'animation est un peu bizarre. Ouais, c'est vraiment au corps à corps, quoi. Ok. Ok. Et pareil, les points pour Atreus, j'en fais quoi?
Et est-ce que j'ai réussi à faire un fucking combo complet là? Non. R1, 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 5 fois R1, R2. Ouais, bon, en fight, j'arrive pas à le faire. Hein. Compliqué. On peut traverser de là-haut. Attends, je retourne là où j'étais tout à l'heure là. Où t'as triché pour te TP. Bah bravo. Pour la peine, je coupe l'épisode là-dessus. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, à la prochaine pour la suite. On va retourner voir Eldis Vini. C'est une excellente. Et après. Nous sommes venus pour Ciao. Nous ne partirons pas avant d'avoir sauvé son frère et l'elfe blanc. D'accord, mais Odin va continuer à chercher les morceaux du masque. C'est lui que cela concerne, pas nous. Oui, mais si ce masque donne toutes les réponses... Alors, il lui en coûtera sûrement. Méfie-toi des raccourcis vers le savoir. Oui, père.